je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir la Lamborghini sur Fortnite. Alors, pour obtenir la Lamborghini, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà de trouver une voiture Whiplash. Alors, les voitures Whiplash, vous allez les trouver principalement ici. Dans ce parking-là, il y a souvent une ou deux voitures Whiplash. Donc là, bien évidemment, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas dans le parking, il y en a une garée juste devant la gare ou alors aux alentours. Regardez, il y en a une rouge là, il y en a une là et il y en a sûrement d'autres dans les environs. Donc, ce que vous allez faire quand vous avez votre voiture Whiplash, c'est tout simplement monter dans la voiture et regardez bien. Bam! Là, elle se transforme pas en Lamborghini, elle se transforme en voiture de Rocket League. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour obtenir la Lamborghini sur Fortnite, vous allez devoir aller dans votre casier, dans la section voiture, et là, vous allez devoir choisir votre Lamborghini. Mais la Lamborghini, pour l'instant, n'est pas en vente sur Fortnite. La seule façon de l'obtenir, c'est de l'avoir acheté sur Rocket League. Donc, si vous l'avez déjà acheté sur Rocket League, normalement, vous l'avez de disponible dans vos voitures sur Fortnite. Autre chose à savoir, sur Fortnite, dans le pass de combat, vous allez pouvoir débloquer cette voiture. Si maintenant vous la débloquez dans Fortnite, vous l'obtiendrez directement sur Rocket League et vous pourrez l'utiliser. Parce qu'en fait, tous les véhicules que vous allez débloquer sur Rocket League sont compatibles avec Fortnite. Et tous les véhicules que vous allez débloquer sur Fortnite seront compatibles avec Fortnite. Donc c'est juste une dinguerie. Côté.